et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est le compromis, un piège à éviter absolument. Je rajouterais même. Bonjour à tous. Bonjour Stéphane Kerry, bonjour, bonjour à toi. Tu es notre invité aujourd'hui. On est très privilégié de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. Privilège pour moi. Ça va bien Super. Génial tu viens nous présenter ton euh, nouvel album, ton livre, euh, rien que ça déjà, déjà ça c'est beaucoup, et puis aussi on va mettre à l'honneur toutes ces années euh, à servir le Seigneur, parce que quand je dis ton nom, je pense qu'il y a plein de gens qui disent « Ah oui, on chante des chants de Stéphane Kerry dans notre église !» Donc euh, merci pour toutes ces oui, années bien. où euh, vraiment tu as composé des chants, traduit des chants pour qu'on puisse dans la francophonie euh, oui. avoir d'un temps de louange et d'adoration. Euh, Donc merci beaucoup. Ça hein. à vous, merci. Aujourd'hui, nous allons parler donc du compromis, de ne pas faire de compromis. Et euh, Omer, tu vas répondre à une question dans Pasteur. J'ai une question sur euh, les coutumes africaines, c'est ça? C'est bien cela puis, euh, voilà. Je <laughs> vais lire la question, si tu <laughs> Est-ce qu'on peut vivre pour Dieu tout en respectant les coutumes africaines oui. C'est une question qui, je pense, va intéresser pas mal de monde. Donc, sans vouloir te mettre la pression, mais il va falloir une réponse au top, là. Seigneur agira. <laughs> on l'espère. Et donc, Nadine, dans Culture et Média, on l'a dit, tu vas présenter oui. l'album et le livre de Stéphane Kerry. Oui, exactement. Stéphane Kerry vient non seulement avec un livre, mais avec un album tout aussi puissant, on va en parler mm -hmm. tout à l'heure dans Culture et Médias. Vous allez être béni. Ah, oh, moi j'aime être béni. <laughs> Ça me va, je prends, je prends. Donc Annabelle, on commence tout de suite cette émission avec toi dans la Pensée du jour. Le compromis, c'est un grand mot. Alors avant, j'aimerais vous dire que veut dire le compromis pour ceux qui l'ignorent jusqu'ici. Un compromis est un arrangement dans lequel deux ou plusieurs parties font des concessions mutuelles dans le but d'arriver à une collaboration ou en vue d'obtenir une majorité dans un groupe. Alors j'aimerais juste vous poser la question lorsque en tant que chrétien, nous faisons un compromis, nous faisons des concessions. Avec qui faisons-nous des, conces des concessions eh bien, tout simplement avec le diable. Mmh. Alors, afin qu'il puisse avoir la majorité dans notre vie. Et le prophète Élie disait au peuple, un euh, roi 18 au verset 21, jusqu'à à quand clocherez-vous des deux côtés Si l'éternel est Dieu, allez près de lui. Et si c'est Baal, allez près de lui. Et le peuple ne lui répondit rien. Mmh. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à faire ce choix. Choisissez votre camp. Si vous voulez marcher avec Dieu, ne faites plus de concessions avec le diable parce que vous lui donnez la majorité, vous lui donnez un droit de vote dans votre vie, vous lui donnez une autorité dans votre vie. Et bien souvent le compromis devient une option parce que c'est peut-être de la facilité, c ça a l'air d'être une solution, mais j'aimerais encore vous rappeler c'est une solution que le diable est en train de vous tendre. Il vous dit juste c'est plus facile. Ce sera plus facile de mentir que de dire la vérité. Ce sera plus facile de voler que de gagner de l'argent. Ce sera plus facile. Et c'est vrai que quelquefois, la marche avec le Seigneur, la marche dans l'intégrité, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile parce que ça peut demander certains efforts, ça peut demander certains renoncements. Mais j'aimerais vous donner ce verset dans Psaume 18, au verset 26, pour vous encourager et ancrer vos décisions. Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle et fidèle. Et avec l'homme intègre, tu agis avec intégrité. Et juste à cause de ce verset, je veux marcher dans l'intégrité, car je veux que Dieu puisse marcher aussi dans son intégrité, l'intégrité de sa parole, l'intégrité de son héritage, l'intégrité oh, de ses promesses aussi dans ma vie. Alors aujourd'hui, je vous encourage à vous donner tout entier à Dieu, à ne plus faire de concessions, à ne plus céder aucun bout de votre vie, même si ça semble facile. Ne cédez plus rien du tout au diable, faites confiance à Dieu, marchez dans l'intégrité et vous allez devenir inébranlable. Amen! Amen. Inébranlable, ça j'aime aussi! <laughs> C'est vrai que le compromis, euh, c'est quelque chose de très facile en fait. Et puis on a plein plein d'opportunités de faire du compromis dans nos vies, surtout dans la société dans laquelle on vit actuellement. Euh, tout est fait en fait pour qu'on ne respecte pas la parole de Dieu en fait. Mmh. On a vraiment des portes ouvertes un peu partout pour qu'on puisse euh, tricher, euh, mentir, être mauvais avec les autres, euh, critiquer, se quereller, etc., etc. On a plein plein d'opportunités. Et puis, on peut vite être tenté de dire oui mais... On est dans une génération différente, là, euh, ça suffit. Euh, maintenant, on est jeune et puis, euh, c'était dans le temps de nos parents, mm -hmm. mais maintenant, ça a changé. La parole de Dieu, elle a même, depuis le jour où Amen. elle a été écrite jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas changé. Mm -hmm. Elle n'est pas démodée. Donc, le compromis n'est pas quelque chose euh, à prendre à la légère ou à, à sous-estimer dans nos vies. Ça a de réelles conséquences mm -hmm. dans nos vies. Mm -hmm. Et la, la Bible en parle. On va regarder euh, tout de suite notre verset du jour. Le Proverbe 14 au verset 26 nous dit que la crainte de l'éternel est une fontaine de vie pour faire éviter les pièges de la mort. J'aime beaucoup ce, ce verset et cette traduction qui est très facile à comprendre. Il n'y a <laughs> pas de manière à, à dire oh, Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Et ce verset nous parle de la crainte de Dieu. Et je crois que vraiment, euh, pour euh, ne pas faire de compromis, il est nécessaire d'avoir la crainte de Dieu en nous. On doit l'avoir. Et en fait, dès le moment où on est né de nouveau, on a reçu cette crainte de Dieu en nous mais à nous de ne pas venir l'écraser de ne pas venir euh, euh, étouffer en fait cette crainte de dieu qui va, qui va nous garder et qui va nous protéger justement de tout ce qui est contraire à la parole de dieu. Mmh. Et euh, pour compléter ce que tu dis, un verset qui m'a beaucoup parlé, c'est l'intégrité des hommes droits et leur guide. Mmh. Et quelquefois, on n'a pas vraiment l'impression, on pourrait pas le verbaliser comme ça, je suis devant une situation de compromis. Mmh. Mais en fait, euh, mais on, on est devant des choix. Et si on se dit l'intégrité est mon guide, L'intégrité va forcément me pousser à agir d'une manière conforme à la parole de Dieu. Et si je ne sais pas ce que dit la parole de Dieu, bah ce désir d'intégrité, ce cœur intègre, va me pousser à me demander mais Seigneur, qu qu'est-ce Qu'est-ce qui toi te plaît Qu'est-ce qui t'est agréable euh, devant ce choix Je ne sais pas quoi faire. Et cette intégrité va nous pousser à aller chercher ce que Dieu veut. Et c'est pour ça qu'il dit c'est un guide. Et, et on ne va, va pas se tromper. En tout cas, on sera moins tenté d'aller vers le compromis parce que nos décisions seront guidées par notre intégrité. Amen. Et dans notre monde de compromis, c'est quel meilleur endroit pour briller, euh, d'être intègre, d'avoir des gens intègres, des hommes intègres, des femmes intègres, c'est là qu'on qu peut briller, qu'on peut faire la différence, qu'on mmh. peut faire un impact euh, Tout extraordinaire dans, dans le cœur des gens parce que qu'il euh, n'y y en a pas une multitude. Euh, on va souvent suivre la vague, on va su, suivre la majorité, mais mmh. euh, lorsqu'on lorsqu'on se tient mmh. et, et puis on, on, on reste intègre, bien, on, ça, les gens voient, les gens hein, voient la différence. Tout à fait, tout à fait. Et puis l'intégrité nous, nous protège aussi mmh. nous-mêmes, parce qu'on le voit dans ce verset, hein, pour faire éviter les pièges de la mort. Annabelle, euh, le compromis finalement ouvre une belle porte au diable ah, pour euh, intervenir dans notre vie. Oui, parce qu'on a l'impression qu'on dit oui à une solution. Mais avec la solution vient aussi euh, le, le maître de la solution. <laughs> Donc euh, oui, il va te régler peut-être ce problème, en tout cas en apparence. Mais mmh. si tu, euh, si tu l'invites dans tes finances, tu invites le compromis dans tes finances, tu invites la façon de penser du diable dans tes finances, tu invites mmh. la tromperie. Donc du coup, tu, tu donnes une porte, tu donnes un accès au diable pour dire, bah vas-y, tu peux toucher à mes finances parce que j'ai décidé de les gérer comme toi, tu me l'as suggéré. Mmh. Et c'est sûr que ça nous aide. Dans des problèmes après pas possible on se dit mais je comprends pas ce qui s'est passé je comprends pas pourquoi c'était juste une petite facture que j'ai falsifié un petit impôt que j'ai pas payé mm -hmm. et en fait ça revient à, à se dire mais quel est mon niveau de confiance quel est mon niveau de foi en Dieu parce que le moment où on choisit le compromis c'est parce que on ne fait pas confiance pleinement au Seigneur et du coup puisqu'on ne lui fait pas confiance pleinement on va s'assurer d'avoir un petit plan B oui. et euh, quelquefois on se dit bah, c'est pas grave, un petit peu de sexe avant le mariage un petit mm -hmm. peu de péché par-ci, un petit peu de péché par-là, mais euh, je donne cet exemple qui n'est pas génial enfin qui n'est pas génial tu manges un gâteau avec des pépites de chocolat, bah, tu coupes, une petite crotte dedans, c'est pas grave, c'est juste un petit bout quoi mais, mais, non, mais... effectivement il est génial <laughs> il est génial mais pas Génial, t'as compris pourquoi? Ouais, ça fait. <laughs> Et euh, tu te dis, oh, c'est bah, pas bah, grave, c'est juste un petit bout, petite pépite parmi les autres pépites qui va s'en rendre compte. Bah, si tu le sais, je vais te dire que tu vas vite cracher ton gâteau. <laughs> dis, non, merci, ça va aller. <laughs> Et dans la vie, dans le spirituel, bah, c'est ça qu'on accepte. On, prend, on mélange les petites pépites avec les petites crottes. Mm -hmm. Voilà. C'est ça le compromis. Je suis que je vais Stéphane aussi. <laughs> hein. Je veux euh, pas savoir le nom de la pâtisserie. <laughs> en fait, ce que je veux dire, c'est que souvent, on parle de l'intégrité, on en parle vite, mais souvent, on ne parle pas du prix de l'intégrité. Mm -hmm. Le prix qu'on paye pour être intègre. Euh, quand on pense à, à l'histoire de Daniel, il ben, y a un prix qui est payé. Ah oui, est... Un prix. Et c'est un choix. Et celui qui veut être intègre, en fait, ça demande un courage. Mm -hmm. Le courage de dire, ben, moi, c'est comme ça et ça ne sera pas autrement. Mm -hmm. Et euh, j'ai vu au courant euh, des années euh, de vie chrétienne, et même du, du, du ministère de mon père, des chrétiens être intègres et perdre leur emploi parce qu'ils ont décidé mm -hmm. que eux vont pas tricher. Mm -hmm. Et les chrétiens, à l'époque, avaient établi ce qu'ils appelaient la chaîne de l'honnêteté. Ça ouais, veut dire que ça. je ne prends pas et je ne donne pas. Mm -hmm. Ça veut dire, j'arrive à un aéroport, exemple, on me demande, ben, fais, euh, donne. Euh, je vais mm. dire le moins en anglais, bribe. Euh, 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 un pot de vin. Un pot de vin. Je ne prends pas de peau de vin, je ne donne pas de peau de vin. Mmh. Je n'écoute pas des mensonges, je ne dis pas un mensonge. Wow. Et Bien, ça. ça, dans des pays où on dit que 80% des gens sont chrétiens, mmh. si les chrétiens auraient le courage de l'appliquer, je pense qu'il y aurait une transformation littérale. Mmh. Et donc, ceux qui doivent être intègres... Doit avoir le courage de vivre avec les conséquences. Mmh. Daniel était courageux, Daniel a pris cette décision et je suis certain qu'on s'est moqué de lui. Mmh. Mais quand Dieu récompense l'intégrité de Daniel, ah. il est dix fois supérieur. Amen. Donc, au courage de l'intégrité, s'attache aussi la bénédiction qui vient avec l'intégrité. C'est que Dieu nous emmène dans une dimension tellement élevée par rapport aux autres que. On regarde ce qu'on a payé comme prix, c'est quasiment rien. Noé a payé le prix. La première fois qu'on parle de l'intégrité dans la Bible, on parle de Noé. Noé vrai. était intégré juste devant Dieu. Mm -hmm. La récompense, c'est que tout le monde est mort, comme le verset le dit, mm -hmm. mais Noé a survécu avec sa famille. Dieu dit à Abraham Sois intègre, marche devant moi. La, 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 les résultats, c'est que toutes les nations de la terre sont bénies par lui. Donc, c'est lui qui doit être intègre, doit être courageux, parce qu'il y a une saison dans laquelle il semble perdre. Mm -hmm. Mais avec le temps. En fait, il les rattrape les autres et il les dépasse de façon tellement supérieure mmh. parce que dans l'intégrité, il manifeste en fait la nature de Christ. Mmh. Mmh. Et euh, mmh. Annabelle a dit, elle a parlé de, du compromis qui est qui est comme une offre alléchante en fait. Mmh. Et la Bible dit que telle voie paraît euh, bonne, mais la fin c'est la perdition. Telle voie mmh. paraît bonne à un homme, mais la fin c'est la perdition. Et vraiment de se dire que des fois il y a des opportunités il y a des... qui nous sont présentées à nous et qui semblent bonnes, mais de vraiment, des fois, il y a des personnes qui sentent pas qu'ils sont en train de faire un compromis. Esaü ne peut-être n'avait pas compris qu'il faisait un compromis quand il a marié ces femmes-là. C'est par la suite qu'il s'est rendu compte que ses parents n'approuvaient pas et que lui, en fait, il est sorti un peu du plan de la bénédiction familiale qui était rattachée à Jacob. Et vraiment, j'invite les gens à amener des, des, des fois des offres alléchantes que vous avez, à mêler devant Dieu. Parce que l'ennemi va te proposer un business, va te proposer quelque chose en te disant, ben écoute, vas-y, lance-toi. Et sur le coup... De, de premier abord, ça n'a pas l'air que tu vas te compromettre. Mais en fait, c'est une porte qu'on te fait rentrer et par la suite, tu es déjà tellement avancé ouais. que tu te rends compte en fait que les partenaires avec lesquels tu t'es mis dans cette affaire, eux, t'amènent dans une voie de perdition. Et c'est vraiment important de passer devant au cri de la parole, de prier. Des fois, on ne prend pas le temps de consulter Dieu pour dire irais-je « Obtiendrai-je la victoire mm -hmm. un peu comme Josué l'a fait ?» Et vraiment, c'est important de le faire pour être sûr qu'on marche justement dans cette intégrité, qu'on ne marche pas dans ce, ce compromis qui est un piège. Donc, si c'est un piège, ça veut dire que ça ne paraît pas comme étant un piège, mais c'est une fois que tu as le pied dedans que « cloup !»« voilà. <laughs> <laughs> Mais souvent, en fait, c'est que oui, parfois, on se rend compte chemin faisant, mm -hmm. que « Oh, la voie est pas bonne mm ». -hmm. Et comme ça revient à ce que je disais, ça va le courage maintenant de, de dire, chemin. Je, je vais rebrousser chemin. Je crois qu'on mm. parle, je pense, dans la Bible du roi euh, Josias, qui à un moment donné, il, il avait fait une alliance et il s'en allait à la guerre. Et Dieu lui dit, non, on va pas à la guerre. Il dit, oh, mais tout ce que j'ai investi. Mm. Et Dieu lui répond, ben, je peux te redonner mieux. Mm. Parfois, c'est faire des tour accepter de faire une perte, mm -hmm. mais de se garder en se disant, je ne fais pas ce compromis, je, je, je veux perdre 5 000 dollars, 10 000 dollars. Parce que je sais que Dieu, pour qui je choisis de reculer, Amen. peut me redonner plus. Parfois, on continue parce qu'on dit ben, « J'ai déjà investi dedans, de toute ouais, façon, je, je vais avancer. <laughs> » Je suis déjà dans ces fiançailles qui glorifie pas Dieu, mais je veux quand même y avancer <laughs> parce que qu'il ben, faut que je paraisse bien. <laughs> Parfois, il vaut mieux mal paraître pour une saison, voilà. mais quand Dieu nous récompense, la récompense de l'intégrité est toujours avec des, à, à une richesse incalculable, Amen. en fait. Amen. Et le compromis, en fait, comme tu dis, Nadine, c'est pas forcément, euh, même une une histoire de ce qu'on va dire, es les, les péchés, ce que Dieu ne, ne veut pas, les grands mmh. commandements, etc., c'est du, du, une forme de péché parce que c'est une forme de désobéissance pour notre vie. Mmh. Ça va contre la parole que Dieu nous a donnée à nous personnellement. Et tu disais une proposition de, de business et tu sais que tu as été appelé au ministère. Tu sais que Dieu t'a mis à part pour le ministère, mmh. mais tu acceptes certaines propositions. C'est juste quelques heures par semaine, quelques voyages par-ci par-là, mmh. un petit peu de, de choses par-ci par-là. mais dans dans ton cœur tu sais que Dieu t'a demandé de te servir de le servir tout entier entièrement avec tout ton temps, toute ton énergie, tous tes dons, tout ton agenda, toutes tes relations, c'est ça qu'il t'a demandé et en fait d'aller prendre une autre option qui n'est pas, c'est pas mal de faire du business, mmh. mais dans ta vie à toi, c'est une désobéissance, même qui te prend trois heures par semaine. Mmh. Et, et en fait, de, ça, c'est du compromis aussi. Mmh. Et, euh, et, encore, et en fait, il y a tellement de versets dans la Bible qui encouragent à l'intégrité mmh. et il y a tellement une récompense rattachée à l'intégrité. C'est que l'éternel ne refuse aucun bienfait à celui qui marche dans l'intégrité. Donc, je veux encourager les gens qui ont peur de, de perdre, peur de reculer, peur de perdre une opportunité, de ne pas avoir assez d'argent, de me pas avoir peur parce que l'intégrité me protège, mais l'intégrité attire la faveur de Dieu et Amen. permet de maintenir la faveur de Dieu dans ma vie aussi. Oui. Amen. Cet aspect de, que tu as mentionné aussi, de, donner l'autorité au diable sur notre vie, de, à l'ennemi... Sur notre vie, ça c'est un aspect important parce que souvent il y a des gens que c'est on appelle ça un éternel recommencement mmh, oui, où ils ouais. vivent toujours les mêmes défaites, les mêmes ils frappent vrai. toujours le même mur mmh. euh, et parce que moi je donne toujours l'exemple que Jésus est assis sur le siège arrière de leur vie puis ils veulent garder le volant dans leurs dans leur mains mmh. euh, à cause de ça et, et parce qu'il laisse une autorité il laisse une autorité à l'ennemi de, de, de jouer dans leur plate-bande mmh. et, et qui n'est pas nécessaire. Mm -hmm. Pas nécessaire. Et puis, euh, ce, cet aspect de, mm -hmm. de, de compromis-là, euh, si plusieurs réalisaient ça, mm -hmm. de s'ils de, 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 il, ne donnaient pas cette autorité-là à l'ennemi, euh, il y aurait beaucoup moins de, 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 de soucis de, 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 mm -hmm. de bien des choses, là, mm -hmm. soucis de couple, soucis mm -hmm. de, de, de financiers, soucis de... parce qu'ils respecteraient les, justement les... Le plein initial. Tu sais. C'est ça, oui. ça, et je pense que particulièrement dans la jeunesse, c'est difficile de se tenir parce qu'on est très soucieux de ce que les autres mmh. pensent de nous, mmh. on est très soucieux de l'image hein, qu'on qu donne, et puis déjà, alors être chrétien, c'est déjà pas super populaire, mais bon, allez, j'ai le courage d'affirmer, de dire que je suis chrétien et que le dimanche, je vais à l'église, mais après, dans la semaine, être capable encore à l'école euh, de refuser de tricher à un examen, par exemple, ou de refuser... D'aller, je ne sais pas, voler à l'épicerie du coin ou d'aller faire je ne sais quoi comme chose, de toutes sortes de discussions inutiles ou vaines ou, des, ou, ou juste aller critiquer, aller, on va passer la récréation, aller critiquer, etc. Il y a plein de choses comme ça qui viennent, des tentations qui viennent et il faut être capable de tenir à chaque fois puis de se dire, bon, OK, ben, là, peut-être que je vais pas être très populaire, peut-être que je vais pas vraiment marquer des points. Mais. Je vais être populaire aux yeux de Dieu, mmh. je vais être populaire au ciel, et ça, ça compte. Et avoir toujours cette notion-là, cette, notion cette conscience-là, pour éviter de se faire manger, parce que ça, ça vient sans arrêt, ça, ça c'est, comme, c'est non-stop en mmh, fait. Mmh. Et il faut vraiment savoir qui je suis et qui, quel genre de personne je veux être, quel genre de croyant je veux être. Mmh. Mais euh, la même question va se poser après dans le milieu du travail. Oui. Donc en fait, oui. un jeune qui a réussi à se démarquer euh, à l'école, à l'université, c'est quelqu'un qui se démarquera aussi dans le milieu du travail. Ah, là, là. Euh, après, un jeune qui a peut-être eu plus de mal ou qui a réussi sa façon de vivre sa vie chrétienne, c'est euh, dans le compromis euh, au lycée, etc peut-être que il continuera de vivre cette vie un petit peu entre deux et diluer au travail donc en fait tout ce qui est tout ce qui est fait tout ce qui est gagné tout ce qui est acquis dès le plus jeune âge mmh. bah on en profitera ils vont en profiter toute leur vie et un conseil aussi c'est les parents soyons des modèles mmh. parce que si euh, nous-mêmes nos enfants nous voient euh, vaciller d'un côté et de l'autre bah, ils comprennent qu'entre euh, chrétiens on fait bonne figure mm -hmm. et puis à l'extérieur on fait voilà. ce qu'on veut, donc le message c'est devant mes parents je suis un bon petit chrétien à l'extérieur je suis un mauvais petit enfin un mauvais petit, <rire> <rire> un mauvais petit chrétien <laughs> pas de bol quand t'es un mauvais chrétien et petit... que ceci dit, <laughs> l'école ça semble long quand on est jeune pour vous les jeunes ça semble long les, les... ça peut sembler long <rire> actuellement, <rire> mais c'est juste quelques années dans votre <laughs> vie ouais, ouais. et euh, ça vaut la peine de tenir ferme parce qu'il y a vraiment une récompense et euh, quand on dit qu'on voit une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu, c'est des différences qu'on va voir euh, éclore à l'âge adulte, mmh. euh, dans les mariages, dans l'éducation, dans les promotions, euh, dans un tas de choses de la vie. Et euh, peut-être que quand on a 14 ans, c'est plus difficile de se le dire. Mais quand on a 25 ans, les choses, euh, on, on mange le bon fruit de notre obéissance et de notre euh, intégrité. Oui, et, et Annabelle, tu avais. Euh... Proposer un dernier point pour cette discussion que j'aurais ah bon bien aimé, oui, <laughs> par rapport à la confiance à avoir <laughs> en Jésus, parce que je crois que ne pas faire du compromis, c'est faire confiance que Dieu a le meilleur pour mm -hmm. nous mm -hmm. dans un chemin qui est droit et non tortueux. Mm -hmm. Oui, attends, je... Tortueux. Tu reprends tes notes, du coup. Hein, oui, 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 j'avais oui, bah, oui, oui, oublié. <laughs> et il est excellent. Dans Proverbe 10, euh, celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité, mais celui qui emprunte des voies tortueuses sera découvert. Et le compromis, c'est vraiment une voie tortueuse. Le, la première marche, elle est facile d'accès, mmh. mais après, mmh. <laughs> franchement, ouais. après, ça devient compliqué, le chemin. <laughs> on t'a menti, <laughs> on t'a menti sur le chemin, et, euh, et Dieu nous dit, celui qui dans l'intégrité, marche dans la sécurité, et c'est pas une sécurité qui dépend de nous, c'est vraiment la sécurité d'être dans le chemin d'obéissance. Que Dieu a aplané le sentier, que Dieu est avec nous, euh, et en fait, de savoir que sur ce chemin, il y a de la provision, on ne manquera de rien. Et je réinsiste sur ça parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens, leur tentation de compromis, c'est par rapport à l'argent, et euh, que ce soit pour le travail, etc., c'est relié à l'argent et c'est relié à cette peur de manquer d'argent, et c'est Dieu qui pourvoit et euh, vraiment apprenez à gagner votre argent de façon honnête de façon intègre refusez les contrats frauduleux refusez les pots-de-vin et vous allez voir que Dieu va remplir <laughs> va vous remplir que Dieu va pourvoir et vous aurez pas honte amen. de dire à vos enfants d'où vient cet argent ouais. amen Juste <laughs> une petite pensée oui oui Bible dit que deux VM valent mieux qu'un et je ne pensais pour les couples justement de vraiment, dans un couple, on est là pour... Euh, oui, on s'entraide, mais aussi, on est le gardien de l'autre. Mmh. Et peut-être, tu vois que ton mari ou ta femme, dans son business, s'attire, euh, fait des compromis, justement, par rapport à l'argent. Vraiment, ça rejoint ce qu'Annabelle est en train de dire. Et tu sens peut-être jouir de, des bienfaits, justement, de cet argent qui vous amène à un certain confort matériel aujourd'hui. Mais à long terme, comme on a dit, la voie, c'est la voie vraiment de la perdition. Et vraiment, et ce courage, comme Paul a eu le courage de dire à, à Pierre, « Non, ce que tu fais, là, c'est pas bien. Mmh. » Et ce courage de dire à ton mari ou à ta femme, « Non c'est pas bon, cette voie-là. J'en veux pas de cet argent. J'en veux pas de cette voiture. On va aller à pied jusqu'à ce que Dieu va nous donner ce qu'il nous faut pour nous, mais on va le, on va le gagner de la bonne manière. Amen. Et vraiment, des fois, on est là et on, on regarde notre conjoint prendre des décisions qui sont des décisions de compromis. On ne dit rien. Et vraiment, le, 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 le salaire, on va le payer à deux parce qu'on est ensemble. Mmh. Et vraiment, on est là aussi pour être ce, ce gardien-là. Et vraiment, je vous encourage d'avoir la sagesse divine pour parler à l'autre mmh. avec amour, pour lui dire non. Dieu est notre Dieu, Dieu est pour nous et il va nous amener à bon port. Ce chemin-là, on le laisse. Mmh, exact, très bon point, Nadine. Mmh. Et on va aller à la rubrique Pasteur, j'ai une question. Oui. Omer, oh, donc Pierrette de Côte d'Ivoire demande Est-ce qu'on peut vivre pour Dieu tout en respectant les coutumes africaines Et on sait qu'on est très suivi en Afrique. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur le continent africain. Et peut-être que la réponse va vous intéresser. <laughs> Bien, merci beaucoup, euh, Pierrette, pour la question. Et puis, je pense qu'on va continuer sur la même lancée dans laquelle euh, nous sommes. Mm -hmm. La première chose qu'il qu faudrait mettre en contexte, c'est de savoir que partout où l'évangile est arrivé, elle a rencontré euh, des peuples qui avaient des, euh, des coutumes oui. et des traditions. Mm -hmm. Et souvent, il faut le reconnaître que euh, l'évangile vient à, à contre-courant de certaines mœurs et de certaines traditions. Donc le problème n'est pas tellement un problème de la culture africaine, bien que la question est posée par quelqu'un qui est en Afrique, mm -hmm. mais la question est une question universelle. Mm -hmm. Est-ce qu'un mm -hmm. chrétien né de nouveau peut continuer justement à respecter les coutumes, Afri euh, les coutumes euh, mm -hmm. de, de son pays, pays. Comme mm -hmm. exemple, il y a un certain mois, je pense euh, au Mexique, qu'ils ont le mois des morts. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc est-ce qu'on va célébrer ça Ici, on a l'Halloween. Est-ce qu'on va... Célébrer ça. Euh, voilà. Et donc, euh, dans certains pays, euh, bon, il faut euh, prendre une certaine attitude par rapport aux morts, ne pas se laver pendant X nombre de temps. Et. Donc la première chose, c'est de reconnaître que c'est un problème universel. Mmh. C'est pro un problème que euh, les chrétiens qui s'étaient convertis au christianisme euh, dans le livre des Actes, la question est soulevée et la question est même montée jusqu'à Jérusalem mmh. où ils se posaient la question mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gens mmh. Parce que nous ne sommes pas, l'Église n'était pas encore préparée à répondre à ces questions et c'est là que l'Église a dû en débattre. Et je crois que euh, par le véhicule de MCI aujourd'hui, eh bien, nous pouvons répondre à cette question. Mm. Alors, comment nous répondons à cette question C'est premièrement revenir à ce que la parole de Dieu nous dit. Lorsque, euh, Pierrette, on est né de nouveau, le, le barème de notre vie, l'instrument de mesure de toute chose, ce n'est plus notre culture, ce n'est plus nos traditions, mais c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible dit dans le psaume, euh, je pense, 119, verset 105, euh, ta parole est une lampe à mes pieds. Mm -hmm. Parce que la, la coutume et les traditions, en fait, c'est l'ensemble des comportements d'un groupe humain face aux circonstances de la vie. Mm -hmm. Et donc, lorsque nous venons à Christ, cette coutume et ces traditions doivent être vérifiées à la lumière de la parole de Dieu, mm -hmm. parce que je n'appartiens plus au royaume du monde, mm -hmm. mais j'appartiens au royaume de Dieu. Donc, le problème... Il est pour les chrétiens au Québec, les chrétiens en Amérique, les chrétiens en Afrique, en Asie, les chrétiens de partout oui. qui doivent revoir leur vie à la lumière de la parole. Alors, à la lumière de la parole, qu'est-ce que Jésus a dit Jésus a reproché justement aux pharisiens de son époque. Dans Marc chapitre 7, le verset 8 à 9, il dit Vous abandonnez le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. Il leur dit encore vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Mm -hmm. Donc Jésus a dit que lorsque je suis face à un euh, à la culture, euh, la coutume, mm -hmm. parce qu'il faut faire la différence entre la culture et la coutume, mm -hmm. quand je suis face à une coutume, quand je suis face à une tradition, c'est que le commandement de Dieu, c'est que la parole de Dieu dit doit primer. Mm -hmm. Et là, je vais venir à L'autre volet, c'est le volet dont Annabelle a parlé dans sa pensée, le volet du compromis. Mmh. Le chrétien doit être courageux parce que, en refusant d'obéir à certaines coutumes de mon pays, j'ai risque d'être persécuté. J'ai risque de perdre ma réputation. J'ai risque d'être mis à part. Mmh. Mais c'est le prix que je dois payer mmh. pour suivre Jésus prendre sa croix et suivre Jésus équivaut en fait à cela. Je termine avec cette parole de Jérémie chapitre 10, le verset 3. Euh, Jérémie dit, je dis plutôt que les coutumes des peuples, euh, euh, il dit que les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier la taille avec une hache. Donc c'est ce que la parole de Dieu dit. Bien que dans notre culture, dans notre coutume, il puisse y avoir des bonnes choses comme le respect des parents, le respect des aînés, la famille, mais tout ce qui ne respecte pas la parole de Dieu, nous ne sommes pas priés de l'obéir si nous voulons. Obéir au commandement du Seigneur. Amen. Amen. Merci beaucoup, Omer. Excellente réponse. Pierrette, je pense que vous avez eu votre réponse. Et si vous vous posez des questions, tout comme Pierrette, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurgènequestion.com. Nous allons continuer maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Donc Nadine, je te laisse la parole. Oui, aujourd'hui, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, on a l'immense honneur d'avoir avec nous Stéphane Kerry. Et euh, il va se présenter à la francophonie. Et je vous dirais peut-être que si vous ne le connaissez pas, vous avez chanté ses chants. C'est sûr et certain. Sûr. Il a amené vraiment dans la francophonie ces, ces chants qui étaient remplis d'anxions, qui étaient en, en anglais qu'on ne connaissait pas. Il, est, il les a amenés à la francophonie, il a chanté énormément de chants. Et aujourd'hui, il vient sur MCI pour présenter son album à quel autre et aussi son nouveau livre vie euh, ta louange et juste avant de, de, de commencer avec toi avec toi Stéphane on va on va d'abord commencer par ton album si tu permets mm -hmm. euh, un, un tout nouvel album qui qui vient qui vient de sortir avec plusieurs titres on va écouter un titre mais tout avant ça je te te donner la parole pour te présenter à la francophonie Stéphane Kerry pasteur des musiciens à l'église Nouvelle-Vie. Euh, je suis rendu, je suis rendu là, un ouais. papy spirituel ouais. pour <laughs> les jeunes musiciens dans le une ministère de la euh, Oui, dans le ministère depuis années. presque 30 ans maintenant. Ouais. Euh, oui, ça fait 28 ans en plein temps là, dans le ministère là, wow. cette année. Ouais. Tout un parcours, tout un parcours. Et comme j'ai dit, on va, on, va écouter, on va parler du livre. Mais avant, on va écouter un extrait de cet album. À quel autre On va écouter l'extrait qui s'appelle Je viens déclarer. Une chanson très puissante que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Et j'ai choisi pour qu'on puisse l'écouter tout de suite. Mon Dieu est fidèle, mon Dieu est grand, sauveur éternel, roi de tout temps. Mon Dieu. Saint et son nom, il a porté ma condamnation et là, dans ma faiblesse, du fond de ma détresse. Alors, cet album avec cette chanson ici a été composé par Julien Adam. Julien Adam, oui, parce que... Écoute, ça, c'est un chant. Écoute, je suis tombé en amour avec ce chant-là tout de suite parce que je devais mettre un chant euh, d'un groupe quelconque et puis euh, on n'arrivait pas à avoir la traduction. Mmh. Euh, et puis euh, finalement, en, en, au même moment, Julien m'envoie ça euh, par mail euh, Steph, je t'ai composé un chant. Euh, Garde, euh, Écoute-le si tu penses que ça, ça peut t'intéresser. <laughs> J'ai écouté ça. Je le prends, <laughs> je le veux. Euh, Excellent. Et puis c'est pour ça que ça s'est retrouvé sur, euh, sur l'album. C'est ça. Donc, dans l'album, il y a des chants composées par Julien Adam d'autres chansons des traductions il y a un chant aussi qui est composé par. Il y a deux chants qui sont composés par toi. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment toute une panoplie, enfin, de différentes chansons, en fait. Yes. Mm -hmm. Oui. Donc, tout en français Tout en français. Ah, toujours. C'est bien. Oui, toujours. Il y a tellement de choses en anglais. <laughs> Je suis d'accord. J'ai rien contre les Anglais. Non, Je les non, aime. Mais, mais euh, ça n'en ça prend beaucoup plus. Oui. S'il euh, y, y a des gens qui pensent qu'il a, qu a pas... qui sont de trop dans la francophonie, non, on n'est on jamais de trop. Oui, oui vraiment, la francophonie <laughs> en a besoin. Merci, merci Stéphane. Et là, on va parler de ton livre. Oui. Vital, vital louange. Mm -hmm. Et donc, du, du coup, déjà la première question pourquoi le titre vital ben, Je voulais mettre l'accent sur justement la nécessité de la louange dans notre vie. Mm -hmm. euh, vital, euh, vital louange. Mm -hmm. euh, la nécessité. Euh, moi, je crois que c'est euh, vital de vivre une expérience quotidienne avec le Seigneur, mm -hmm. euh, justement, euh, dans la louange. Pourquoi Parce que euh, ça change des vies. Mm -hmm. Moi, je me suis rendu compte de ça parce que quand j'ai commencé à voyager à plein temps il y a 15 ans, euh, je, je me suis dit je vais entretenir les chrétiens. Tiens, je je... qu'est-ce mm -hmm. qui va se passer? Mm -hmm. J'ai sauté un peu sans filet, je ne savais pas comment comment ça allait se passer, même si j'avais fait la louange plusieurs fois. Euh, et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il euh, y a beaucoup de, de, de gens qui invitaient des amis. Et euh, à suite à ça, ben, je faisais un appel au salut à la fin. Mmh. Et les gens donnaient leur cœur à Jésus dans des concerts de louange. Oh. Et puis, euh, c'est une belle manière d'évangéliser. Alors, j'appelle ça concert de louange, en parenthèse, euh, évangélisation, parce que ça touche le cœur des gens. Et, euh, et en même temps, ben, je m'adresse aux gens à travers les champs. Mmh. Je ne passe pas le, le, la soirée à parler, mais <laughs> euh, parce qu'ils viennent pour un concert. Mmh. Mais, euh, <laughs> mais quand même, il y a des endroits stratégiques où je vais m'adresser. Euh, aux gens qui sont là pour la première fois. Oui. Et euh, pour, leur, pour leur, justement, leur faire réaliser qu'ils qu doivent construire leur vie sur du solide mm -hmm. et puis sur Jésus. Et puis, euh, c'est hallucinant combien que beaucoup de personnes donnent leur cœur à Jésus. Oui. Euh, c'est vraiment c'est C'est hyper important ce que tu es en train de dire. En plus, ça me fait réfléchir, en fait, la responsabilité du musicien aussi. Et est-ce que toi, si je te poserais la question, entre l'habilité musicale ou la profondeur spirituelle, qu'est-ce qui est le plus important à ce moment-là pour un musicien? Euh, dans 60. je vais, je vais te répondre avec un verset. Dans euh, 78, euh, verset 72, euh, « Et David les dirigeait avec un cœur intègre et les, conduis, cuis, les conduisit avec des mains intelligentes. » Dans une autre traduction, des, des mains habiles. Moi, mm -hmm. euh, je je ne crois pas qu'on qu devrait offrir à Dieu quelque chose de médiocre. Amen. Je pense qu'on devrait toujours lui offrir la qualité. Mmh. Et je pense que dans la francophonie, pas je pense, je crois que dans la francophonie, on est rendu là. Mmh. On est rendu là où euh, il y a une qualité musicale absolument euh, incroyable. Et, euh, et je crois que Dieu mérite l'excellence. Après mmh. tout ce qu'il nous a donné, euh, il mérite l'excellence. Ça prend les deux. Ça mm -hmm. prend la qualité musicale et ça prend justement euh, la profondeur euh, spirituelle. Et mm -hmm. justement, même à l'époque euh, de David, euh, l'onction et l'habileté allaient de, allaient de pair, mm -hmm. ça allait mm -hmm. ensemble. Alors, euh, c'est pour ça que je dis qu'il faut, faut développer cette habileté euh, musicale, mais il faut développer aussi euh, cette profondeur spirituelle. Mm -hmm. Moi, je trouve, je voyage beaucoup depuis des années, euh, comme je vous dis, je suis un peu papy spirituel <laughs> maintenant, et puis j ai, j ai, j ai, j ai, je voilà je, si je, je, je faisais des courbes euh, sur un graphique je, je la qualité musicale je dirais elle a fait ça mm -hmm. mais je suis pas certain que la profondeur spirituelle de suivre à la même hauteur. Mm -hmm. C'est malheureux, malheureux, mais il y a des fois que, que et, et je crois qu'il faut et ça c'est mon mandat. Mm -hmm. que je pense que je suis rendu là aujourd'hui mm -hmm. d'être un peu plus un coach mm -hmm. euh, justement. Mm -hmm. ce, 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 et c'est le but de ce ben, livre, justement, c'est ça. C et et tu il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans au mm -hmm. niveau de justement pour, pour, pour euh, euh, qui va qui va aider mm -hmm. euh, ces mm -hmm. gens-là. Puis pas seulement ceux qui font de la musique beaucoup de, de clés pour le leadership, leadership dans l'église également. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai un co-auteur, Daniel Medbach qui est mon co-auteur. Mm -hmm. C'est un, un pasteur qui était en France, qui vit maintenant au Québec. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Un autre qui vit maintenant au Québec. <laughs> euh, C'est un gars génial. C'est ouais. un communicateur absolument... Mm -hmm. euh, extraordinaire, et puis j'avais dit, moi j'avais donné mon document à Daniel, et qui était ça, des, cet épaisseur, ah, un oui. document, j'ai dit, Daniel, moi je l'ai pas ça. Mm -hmm. euh, je te donne ça, tu me divises ça en chapitres, <laughs> et, euh, tu, euh, et puis tu mets ta touche pastorale là-dedans. Mm -hmm. wow. Et regardez l'épaisseur. <laughs> non, mais, non. Non, mais, mais, euh, euh... mais c'est vraiment, je crois que c'est vraiment un livre pratique oui. euh, pour le ministère. Euh, et je dirais même pas juste pour le ministère musical. Mm -hmm. Alors, euh, mais je, je crois qu'on qu qu doit rechercher justement cette, euh, cette, la, la perfection, oui. euh, la, la, ben, la perfection, on l'atteindra pas, là. mais la, la qualité. La qualité, l'excellence, le désir. En fait, Même dans le livre, vous parlez de comment la croix c'est vraiment ce, ce, cet élément et, pour oui, et essentiel pour l'adoration. Oui, essentiel et parce filles. que la plus grande des œuvres, justement, de Dieu, c'est le don de son Fils. Et puis, et on était déconnectés et Jésus est venu refaire cette connexion mm -hmm. afin mm -hmm. qu'on puisse adorer à nouveau. Oui. Alors, l'importance, euh, 1 Timothée 2,5, ça dit il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Mm -hmm. Et euh, parce que c'est ça, encore une fois, Jésus a rétabli cette connexion-là. Et euh, s'il y avait pas cette connexion, là, il y aurait pas d'adoration mm -hmm. euh, et, 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 et la croix est justement la source ultime de toute euh, cette raison qu'on peut adorer aujourd'hui, qu'on peut adorer à nouveau et c'est pour ça qu'on chante la croix, c'est pour ça qu'on qu élève le nom de Jésus parce oui. que s'il n'y a pas ça, c'est pas nous qui va faire un impact, c'est pas notre belle musique, c'est pas nos beaux arrangements c'est Jésus seul. Et seulement Jésus seul. Amen. Euh, Jésus seul. Amen. Amen. Merci Stéphane Kerry. Donc, son album, à quel autre, disponible sur MMCI Boutique et son nouveau livre, Vital, Vital Louange Stéphane Kerry, Mesdames et Messieurs. Merci beaucoup. Merci. Merci. Stéphane, merci d'être venu sur le plateau de Bonjour chez vous. On merci. se retrouve dans quelques semaines dans la rubrique C'est mon histoire parce qu'on mmh. veut en savoir plus. Il y a, on l'a vu, beaucoup, beaucoup d'années de ministère mmh. derrière. Donc, on va en savoir plus sur ton histoire donc on te retrouvera dans quelques semaines mais merci d'être venu en tout cas. Merci. Et quant à nous, nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera Crois-tu que Dieu peut sauver ton mariage Et nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec Jessica, qu'on avait rencontrée la semaine dernière dans la rubrique C'est mon histoire. Elle sera là avec son mari. Vous allez voir ce que Dieu a fait dans leur vie. Je vous le rappelle, ne faites pas de compromis. Si vous avez comme un petit ange et un petit démon sur l'épaule, eh écoutez la voix du petit ange écoutez la voix de la parole de Dieu. À demain et bonjour chez vous.